alors nafal wo bekina way xoro nanu nara wafa de kay ndefi lagina kema parce que lagina ke wolo way nara wo makulo wo sigama dede mais khalatin to oui ça va wo tan so torneto mo ono de tay din defi de ibn adam ma allo annonce na naba ko magelari na rago magena ma barame wa akoto na fama voilà venez et partagez surtout yi émission na ya amura kelri muharaba contre qui que ce soit muharaba kelri ne Mouala gine die ratu. Imuna rankolo. Irakolo. Ina rangambira. Ndara. Afaybe. Afang ibonsebe. Afay raboribe. Irana tagira bakolo. Mouawali nanana. Kone findin dendera. Imubama betankui. Fira lo wai malide. Sosamanga yido. D'abord ton nafolama. Hanu mwa so detay kui na forma CNRD nama CNRD c'est un gouvernement illégal c'est muna o yir wala mo wana na ba yiborima o muna na comprendre sin dena vous êtes illégal illégal la gina dimoti. Vous avez utilisé la force pour la restauration de nos institutions dans ce pays. Tel n'a pas été le cas. Alors vous êtes illégal. Vous avez des propos non réalisables ou bien des contrats. Non, non, non. Ce n'est pas la peine. CNT travaille pour Mamadi. Tout le monde. Rio Mounana qui travaille pour ce pays-là. Non. Alors, on a un Obama. Autant la moura, élection là-bas. Ça, c'est fini ça. Maintenant, il faut ouvrir son nom maintenant. Parce que on a 3 ans à volonté, on a eu la Guinée Caraminie de Mikoui. 3 ans. On a cherché le Mikoui Khilima. On a Simara. On a nomination, Mato. Depuis, à Folay Hanto. Abri ethnique est la majeure partie. Rien à l'heure, c'est seulement les peuples commerçants qui vous accompagnent, les faux types qui sont dans tous les faux programmes dans ce pays-là pour détruire la Guinée. Oui. Agbeg Benara, Kenyoko nananankui, Alsen Bari nananankui, Bari Hong Kong nananankui, Bari Yalo Angola, Makolonga, Zahir Nara, je ne sais pas, nananankui. Mais Dundou rien. La Guinée Kafara, pouvoir dans une fois et replier ce que ça doucement avec l'argent de l'État. Mon combat n'a mené. Mais, Mamadi, Mini Yibirin Kui, c'est Semfa, Abirin Woulé, nous avons une vidéo là. Sorry, nous avons fait la transition au Gabon. Nous avons fait la transition. Parce que nous avons fait la transition. Nous avons fait la transition. Tema de mona ma inar tongode. Iga rame. Mangamu wal ma mingi gundi iga wa iga ma. Alan manga ya fima. Iye te gunyi. Ui fa mingi ira. Bori la fa nari ma. C'est très facile. Il la mena kolo. Le temps que toi tu as fait en Guinée. Il la mena tan kolo. Nde fang. Nde mou fang. Alako. Ina la Guinée ga ekonomi so. Mingi ira iga rani. Alo.
Bakarli na na ba. Ina mana sera. Zero. Nak beg be nana. Donc c'est pas la peine de continuer à nous embêter. Faut arrêter. C'est le temps pour toi de démissionner ou qu'on te destitue. Parce que ayon igbe mo na la guinera, imu la guiné noma, imu sigama dede. Il a une cabine farama. N'a pas fait un mouillé. Woule n'a rien à wouler l'ancouille. Depuis Falloway. Allez, on va sur le détail. Parce que. Non. Voyez, il y a un nom de farama. J'ai écouté une femme. Kono be mu guinéya bi mabé ma programme muna guiné ga ga féra bé na féra di guiné na yi guiné na mbéré ina fin di guinéra parce que elle nous a insulté à mo commune mo tan na lang la guiné fé falama ina fala ina ré communiquer ma au soquet et nous voilà la rabara et fima à 10 000 à la défima et la vidéo naïbe mouna sama parce que ribir n'a pas moussama bé ritam fa faute ta il n'a reçu moins de 2 ans il n'en a fait rien en falama fallait expliquer ça aussi parce que Kadna kolon ou ne reçoit fotato et wa mana sistna na programme wa mal ko yakob ce que ce que wa o wa yirati ina findi ginera ala bori fon madibe mama madibe ntolobitebe ginera ala magandina nak parce que dibris sotoma ki kerene de semfisa borbe khamata muné yalla khamata fima kona mi rira worum na famma aventure 2 étangue 2 hectares yalande c'est pas possible et drogue la matière araba do do nya momuna be tangama italo continue mo kombi fima ki murayon khube kwi kulimina lo bari tana fala ribe. Moi, j'ai fait combien d'années ici? Avoir tout de, moins de 2 ans, Woulenara, aux États-Unis. Les CEB ont commencé à vendre la drogue. Et là, suite lui dit, et bien rapatrié. Maman dit, même a fait combien d'années en Europe? Est-ce qu'on reçoit? Non? Ah, c'est là, sur les lésions françaises, oui. Est-ce qu'il a eu de l'argent? Non? C'était. Il a fait combien d'années? Oh bah, Oulema, c'est faux, Oulenara. Maman dit, Moufar, Narama. Oh bah, Oulefa, le fait mirebe. Afar, Narama, Barna, Abaraka, Michon, raté. Et Baraka, Nire, Amoun, la Marasika, Menkina. Koufa, Folé. Oh, ma oubli, la souna, Oule, Kui, non, Mouskama. Frère, Sarande. Et Baribori. Société a non dit la fête au Benaki. Il n'y a pas de cafou, il n'y a pas de nakana. Il n'y a pas de barbore Mali. Il n'y a pas de barbore Yaila. Il n'y a pas de nakana. Il n'y a pas de akuma. Arakame. Il finit sabra. Et barbore détruit. Il a un homme qui est en arabe. Il a un homme qui est en Mais il y a barbore mali mané. Il y a sutra. Attendant. À protéger. C'est ce que les autres font. Oui. Ceci nous fin de cadre. Alors fin de Mangera. Aga yete gbo. Aga nyawi. Aga woule. Aga crime. Aga pas folle ma bonse nana. Parce que nous n'a détail. Voilà. On somme à Wombo Gassia tout de suite. Sorg beg be far la Guinée, so c'est ni far.
Mais une barbare parmi vous, quel est le nom qui me fait un bim boromane autant? Non, non, mon frère. L'ethnie le plus mendiant aujourd'hui, le plus pauvre aujourd'hui, c'est nous. Et puis chez nous encore, devant nos frères. Et la tombe la même qu'elle m'a. Vous voyez, quand vous avez enrichi pour avoir une force, vous vous êtes là à nous affaiblir. Car, on y bara, mon khalima dede, abri na yom ma nimise na ma, abri na yom ma misère na ma, abri na yom ma unna kane na ma. Olo na lo wo yamuna, khali gari muna meyana. Quel n'a pas fallu de plus, avant même 58, hey, on a rien fait la Guinée. Qu'est-ce que vous voulez? Hey, autant ma copra. Songwenara, sosenara tim. Mama dit, hey, moutanga, moungé, moubabé ont travaillé pour le PDG. Pendant 26 ans, avant même 58. Moumarabama, Solom, Rurafira. Les balais africains de Guinée, la majeure partie était des sous-sous. Moumana Fana Bama Solom. Je conseillerai à mes frères et sœurs d'arrêter ça. Vous me ferez bon moment, mais ce n'est pas avantageux. C'est de réduire une ethnie. Oui. Ce c'est réduire Nakine. Nous rourons Nakine. On fait là. Nous allons faire, on le taille 100 000 ou 200 000 dollars. À Kadama, à Barrien, dans le Canada, il y a tout. C'est un franc, il y a un franc. Nous sommes. On est quelqu'un qui a eu un mot sur le débat qui est en Sindego. Parce que fait, tout à l'heure, on a fait au Bekina. Détournement n'a rien à barrer. On nous lance un compte et rafra. L'Amérique est en train de se faire la Guinée. Et dans le dernier, on a un temps où on a un ou bien un temps où on a un temps où on a un temps. Et Faina Tinaye. Et fin de bailleur de fond là, pour la personne, alors il y a alors que t'as mal. On a un yabama ou un bourbette. Va partager mané. Et bien, maintenant, Mamadi Doumbouya, premier ministre, Baoul, le ministre de l'économie et des finances. Soi-disant, les soi-disant ministres. Ministre de la Défense, Idi Amin. Ah, ho commandant, ho, ou bien bas commandement Maclo de la gendarmerie Maclo. Vous êtes vraiment une honte pour cette nation. Vous savez pourquoi? Mon mais comme ma nation nara, roi nara, funga falene. Le gars de l'Ivoire là, parce que nous avons un modèle de l'Ivoire. L'Ivoirien, c'est un comédien ou bien quoi, je ne sais pas. Parce que moi, je ne vais pas prononcer son nom ici. Nara Bama ou ta modèle de gouvernement donc. Allah m'a arrêté. Kering, a wanyi na gam falama. Fring, a poter ba na gam na ba fe bon kwi. Sagam, a fe na gam kere fe entre les ethnies en Guinée. Amoura ba ma Côte d'Ivoire, jamais plus grand, jamais. C'est un délinquant. Allah fe na gam na ba petit la. Na ga emission na 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 bom bom fa fa camion na gbi makodi nu ala tagi a nyinyi free sur place a perdu mané na ramani oui inu na rabanta na ngoy faut respecter quand même ce pays là et vous êtes là à kidnapper à enlever les gens les 10 fils de ce pays maintenant un délinquant tombe en Guinée. Marche sur vous, vous minimise, à vous réduit. Est-ce qu'il y a un gouvernement en Guinée? Vous êtes des arnaqueurs. Rien n'est manié, non?
Fialam, autant yo nayo, même pied d'égalité, zéro. Qui signe mira nation considérée? Mi batama considéré. Oh non, non. Vous avez réduit ce pays-là. Là, il est là. Le ministre de l'Intérieur, il est là. Là, on a un peu de Bashi, qui est où? Vous êtes des escrocs pour cette nation. Il fallait arrêter le gars-là. C'est qu'il est en train de faire chez nous. Non, non, vous êtes dans la campagne là-bas. C'est lui qui va apprécier le fonctionnement, ou bien, comment je vais dire ça, de l'économie guinéenne. Je l'ai vu devant le ministre de l'économie et des finances. À Dori, l'économie guinéenne est stable. Et puis, de passage, Nsato, le pays est en projet. Comment ils ont fabriqué ça? Maintenant, avec ça, on met les gens à la boîte. C'est décevant. C'est malheureux. Vous êtes des illettrés, des ignorants. Il n'y a rien. On gagne Yomoui. On va y borir la ça. Parce que autant d'alpha, autant de mal là-bas. Alors, on va se réfugier, Borima. On va y manakine. C'est pas un gars comme ça. Pour nous, Toto, nous, le ministre de l'économie et des finances, comme premier ministre de Badafara, le premier ministre également, faute. Parce qu'en Aga, la Guinée, dans ce bas, il faut demander quoi, la Banque mondiale, je ne sais pas. Parce qu'il y a une fois, il faut laquelle. Mais, au moins, moi, auto, avec la Banque mondiale. Bah, on a une fraude fiscale contrôlée. On a compris. Ça, c'est un gouvernement voyou, des bandits, des vauriens, des ennemis. Bah, oui. Ça, un gars comme ça que vous allez appeler pour stabiliser l'économie guinéenne. Magenama, et puis, ma avocat, c'est pourquoi Yakosi, moi, ma fafébé, ma fri, parce que vous voyez l'enfant, vous voyez l'enfant. Il y a l'arme, t'es gamin, niné. Baouri, nos refs ça y tombe, putain. Ils se rouront. Moi, une Guinée, mais ribrimbe, putain. Putain. Il n'y a pas de Adamayama. Il n'y a pas de Wayibrimba pendant combien d'années? Il n'y a pas de réseau à Maitanga Birokui. Très bien. On va ma au moment à tout. Mon transition yama mayama. Mbe mara. Nama warine men, nama yonkina, nakira mara. On a encore waraba.
ni Malima, ni Rafi Falama, ni Siportema, et fin de Siora, et ni Feti Kraoma, ni Ramuna Falamantambe, Nakolo Krana et Kabarayan, une femme est fort, Rali Mongli, et puis n'a Falama avec preuve. Parce que mon film est sabre, il a ma bori franc ou la cana. Et par après, un cigare. Non. Je ne sais pas si je suis en train de faire. Je ne sais pas si je suis en train de faire. Je vais vous mettre après, c'est-à-dire après Fodé, le président de la transition gabonaise. Vous allez l'écouter. Mon oride depuis Nara Arame Morima. Et tu vas voir. Un jeune, comme Mamadi, gère le pays, on dirait, il est bétonnant. Et lui-même, parce que pourquoi il n'arrête pas les gens, lui-même, avec Tidiane Koïta, ne fait que transférer des ors, l'or de la Guinée, et les diamants Lango, par Macron, en Suisse. Faut abattre Manéhi, il me faut des colons. Une faute de colombe, ma faute. Faute naïe, la faute guinée, c'est la naïe. Parce que la rambri vient à faute ma brine. A taillat fini ma sabre, alcoolique tongola. Au moubarri, à mi-colon, à radi, faute radi. A nomma, faladi, à bababé, pemba, pour kaiti. Na, pour kaiti, yitambe, yitambe. Faute radi, nan na falama. Forebe. Il m'a dit, ce qui veut dire, il cobre une langue en fait suisse. Et a décidé qu'il n'a que tu vas rester en Guinée. Il m'a dit, il est en Suisse. Et bien, fait bête à faire un cri. Alors, c'est là qu'il y a un enfant. Et il a dit, pauvreté dans le cuir. Allo, chambé d'elle, Bokacha. Jambedel, Bokassa! Il m'a l'air là. Tout le monde est là. Aujourd'hui, c'est le 26 octobre, hein, l'an 2024. Il en est arrêté. Alors, si ma fille, ma, tu verras, il nous investit, il a fait des projets durables pour 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Il a une fois, à continuellement, il m'a l'air là, il m'a Et vous m'avez dit, ma femme, mon frère, Feignari, il me s'est m'aidé à l'union de ma Feignari. Parce que je me suis dit, ben, quand la crypto, il me l'a fait en kérem maçon. Parce que nous, sur ce dîner de tout, ma paix, on a mis des ouais. Ma femme a compris, la série, ma m'a dit, il me gagne, ma, à l'union. Moi, je n'ai pas de bagage. Il manque de ma lésion. Il y a Brin Tongo. On y a un français. Il manque de Tongo. La Guinée, Jérémane. La Guinée, Kana, Jérémane. Et on s'en a dit. Non, il faut la faire bien. C'est ce manque de oui. Très bien. Au Cheikh Sidia, Gabaté. Tagimbe. Mamadi Tofa, Mangayara, il n'y a pas de sang-gueule. Cheikh Sidia Gabaté, au niveau de la décentralisation, Macron, s'il est conseiller là-bas, je ne sais pas. Il est actuellement à Paris. À la coopération décentralisée, Macron. Ananasé Mani,
Monsieur Tori, ça doit ouvrir de bumba. Oh, maman dit, voilà, mais. Ça dit, il t'en donne une monnaie là. Il t'en donne une monnaie là. Cheikh Sidia. Malik Kamara, Nagai. C'est de Kindia, non? Il t'en a. Abdul Karim Jabate, ou un rôle créé. On ne fait bébri, on a un manique. On ne fait bébri, on a un saucé. Auquel il y a le moment. Maintenant, on fait bien ça. On a un mafé. Il y a un avocat préparé. Il faut des gens qui ont un avocat ou bien un débat. Macro. Ou bien mon maître a un baba, il y a un Guinée. Fosse commune na dede la Guinée ya bri ko autant de sen dede na ne munara de wona fena ganyeti wona pouvoir na ganyeti trompe fe alko na mi he tuga mana ko makina ade 28 septembre moment tant que la Guinée exister mi he na na fay makiti ni be na fala febe. Il est temps, parce que comme justement, il est temps pour toi de préparer, bien préparer ton avocat de défense pour ton procès. Wallahi. Quand on m'a dit, c'est fallait bien donner, il n'a pas là. Tout le monde est là, oui. Il n'a pas pour que vous êtes des criminels. Des criminels. Abri Nanaki, c'est le mot qu'il vous faut. Vous êtes des criminels. Abri Nanaki. Économie, il n'a pas. Il y a Adam Nanakui, environnement Nanakui, Mouhamir Rassé Karaman, Nanakui. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous êtes qui? Non seulement la Guinée, mais Basse-Côte. Vous êtes qui? 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 Mon frère, il faut faire un goût. Ça doit être un peu de mal. Il faut faire un peu de mal. Il faut faire un peu de mal. Il faut faire un peu de mal. Vaut mieux de vous ressaisir. Ce n'est plus la peine de continuer. Il faut faire un peu de mal. Il faut faire un peu de mal. Pour libérer une bonne fois ce pays. Cheikh Sidia. En France, il est là. C'est un ancien bâti. Où est-ce? Mouna cessé, on l'a dit à Kema Daou, à l'ontaille à quoi si je prends, dans ma pick-up de mon team, ou bien institution de DERA, je suis là pour ça, ça ne marche plus, hein. Je dis, car il m'a fait ma son nom. Je dis, que l'arabe m'a quitté, ça c'était avant, tromper les Guinéens. Il dit, il m'a brûlé de boum, alors il y a la Banque mondiale. Non, attends, c'est pas comme ça. Ça c'est fini. Cheikh Sidia ni tanama tan sarakane ina bandia nare mire sa gabri dena en kui fia ma se net ya brikolo ya kolo nan nera se ende de ratan ina kolo. Alors prépare toi ça va pas finir comme ça. Détruire les gens et puis et faire au protéger, non. Très bien, regarde moi ça, c'est de n'importe quoi. Il n'y a pas de problème. Nous allons continuer. Enfin, parce que nous lançons le compte de Rafa. Crédit Suisse, les 8 tonnes d'or à Nenana, avec 270 millions de dollars. La Guinée a réserve Nenana. C'est-à-dire.
Ali, problème n'a pas. Inflation n'a pas d'angina ni ira, boriqui. Mangefaï n'a pas matoma, n'a pas offandera. Alco, n'a pas mato, population y'a la makina. Rigundi Keresiga, n'a tongo, a araba, wa ronkira. Aman fati la guine kehe. Arabama la guine ne. Mon abama boriuma, n'en en continuer pendant des années et des années. Femme ne, on dead in dinala. Idiami, il a bangin en Normandie, n'a pas sarabe. If an akai il falamanego, sarabe fait un rama, alors qu'il a protégé, non. Amon abama neki. Il s'est la protégé Fénac. La Guinée racénale. A la milou manakoui. Fa kanyi arakbilen la Guinée. Kala bangi keme serebe. Nanana. Et puis, elle va fanga tang. Kemagbek benan na Bruxelles ou Makolo. Na fanyera kinara. Faut d'abord fa fe ya kosi. Alors la Guinée qui racole, on a nos rois n'ont quoi nous voulait. On fait la préparer fait. Après maman dit, on a quel est n'embarré qui. On a quel est cassé qui. Une idée derrière ce qu'il fera. Au vrai, avant la fin une idée à garder un langue belou alama. Na langue belou alama. Quel moment il doit y amasser. Il n'a rien à banna. Quand quel est quatre dans la langue belou alama. Parce que bien comme elle, comme nous n'en avons pas encore. Maman dit, parce que tu m'as mis au sol, on va l'arriver. Mouama, parce que il faut donner ma rile de nez, il n'a rien. Il passe quoi dire, non, n'y a rien. Ah, rien. Non, moi, il y a un acquis. Marie-Herb, il n'a rien, il n'a rien, parce que la Guinée a cobre. Amlo ma côté créna moi mon nango ngena na na ba ma umbiri nara mais inu ya charné hein ethniquement amu fonnak non 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 khanta rabé amra fon même donc mumuna be na na wule fala be de parce que quand l'enfant milliard moi me oh non ce se manga ba bon, parce que la préfecture bien magandi, voyati waga de la torre na anna, voyati waga taira kanakina, voyati waga hurera, kobe souma denaga, mouayere souma denaga, abirim barakana, ntirife, ngirima, sogoboli, ntir katuguma, na longori, kobe fine souma na, wala matotoba, moutambalo mananana, moumbalo mbende garadi, ngoro, kasinet sa ngoro ndugu mesa ngoro koyoli mbalo mananan o mburaga do encore so moye foye mte ma village to pourquoi parce que brama wosu gemba na masalia no corté te ma foye na foye munato foye fama aso mabangi kwi da mo munato senior. So bar do murak bebe. Ya. O bar do mura. Enna, c'est les Libanais et les Hindous qui commandent la Guinée. Parce que paraît-il renseignement de lire na ya cos. Quand ka sur ga sa fait gueule, fa di wazini na sa. Amunda ngi manara. A koy sembe soto. Il est ironique, il y a un dara, il est à la. Parce qu'il y a un gars qui est là, il y a un roi qui est là, à ma sème, c'est seulement l'intérêt qui vous lit. Parce qu'à quel déclo, il faut l'amener, quel déclo. On a un nom, il faut l'amour. Ceci dit, il y a un yahoo. Oui, oui. Ceci est là, on a fait l'amour. Mais où est-ce qu'il y a un yahoo? Manikel l'enfer n'a pas
arrêtez na amine me bu mago fa arrêtez que la foule fa nak forcer nek boyo ma ama ah na wo sa nan tek sa forcer beba era la gile fe na manika so se foule won talent tagi akane won talara forcer dondro dondro le papa koli la et la messa gueule n'a rien qu'il y a. Où est la machandide? Foyer n'a pas oui. Donc, elle fera tant. Réman n'a mené la guinée à Réman. Allô? La sœur Jana, bonjour. Allô? Milliard n'a bloqué. À Dubaï? Comme ça? Maclo, où n'a pas ma fille? Allô? Mama di rimungu me mubutu asiga kinare atafrat alo toye ara ko bi bin ku nakana nyogetema swiss arab anginde na nyogetema ai voirie a i jairo e fini faraboro ira ina khame talo gine mena Allo, lance la compte Rafa. N'est-ce que tu finis le premier ministre? Ou fa ou tout le matin avant l'an 2004. Avant l'an 2004. Parce que, il a shérif ba, Kelma, Banque Centrale, l'air, n'est-ce pas? Kobri nana, n'a pas le donc wa ko lon kobri sa de na wa ko la dossier na moui am discuter ma femme ni kana ran kené parti fou créer après mamadi ou ta la ramassema ou ta sera kané ou ni la Guinée hakke na minima wuma sera kané nan kala wura j'ai vu lance la couverture ici tout le premier ministre j'étais à New York. C'était un monde fou. J'étais avec son frère, son soi-disant frère, Simben Basuma, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y avait un jeune là qui était là pour assurer sa sécurité. Moi, je me suis dit, mais attends, c'est lui là, ça ne compte ou pas. Non, non, c'est un premier ministre. Ah! Ça a circulé. Juste pour faire le Kamalimba, le pays est en train de sombrer en face de l'ONU. Dans un hôtel là-bas. Hé, hey, pour faire du Kamalimba, ça ne sert à rien. Les Américains ont travaillé dans l'honnêteté, avec rigueur, dans la compétence et la transparence. Ça, il ne s'agit pas de nous dire que j'ai fait ceci, non. Prouve, prouve-le. Mais, Moumidouana qui tue Yamafa, on va aller préparer ceci pour lui, il n'a qu'à manger, fuck it. We don't need that. Alors il faut arrêter, hein. Vous avez volé la Guinée. Tout sera restitué aux propriétaires, au Brimo Pharma. Dis-moi, what do you want? Mon enfant fait, aura dossier naïque, mon enfant fait. Non, ma fara de Tina. Mais vous, Tandimé. Alouna Amara, j'ai vu son truc ici, il est de 87. Ndamare rien là. S'il est de 87, alors il est stupide. Il est en 87. Il t'a l'amba, il a tout. Il a réglé la femme. Il a yare mato pour ta nation. Il me brama comme il a fort. Il a sauté ma. Il a sauté, sauté, sauté. Il a rien à peur d'en a dit. Bon, il a fait un enfant. Amara. Il y a 87 nana, nous avons foutu dans l'air. Nous avons fait tout. Donc, fais bête nana tana. Mais autant signe de Daru, au Wigné Naraba, au Dé, au Moudunia Naranoma, nous avons fait un abat, 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 nous avons fait un abat. Oui, nous avons fait un abat,
New York, Nafama. Alors, à moi, marron. Rien. À la gauche, Bangoura, à Colo. Pour qu'à ma tombe. À nous, oui, Anna. Au bar, je suis tellement. Au femme, à comprendre. On doit ma faute l'état parce que. Avant de tirer, on a eu un homme. On a eu un homme. Il y a un homme qui est là. Il m'a dit que il a gagné la colère, il a mis le four et nara. C'est pourquoi Allah n'y m'a pas fait de l'indéra et il a tout yarima. C'est ce que je veux dire. Donc, Amara, il a dit que moi, je suis en train de me priver, il a compris ma nara. Parce qu'il a six maya, il a six maya, il a fonctionné, il a eu une démission. Parce que tant que je suis là, il y a. Bon, dans l'héritage, l'or, là, il y a. Allah m'a étonné hier, il a son. Il a été fait fatigué. Offre une langue à notre terre. Il faut nous sourire. Il faut nous Canada, il faut New York. Voilà, il faut nous sourire. Autant. Allah m'a offert ça. Canada, il faut nous sourire. Très bien. On va me dire, si on a dit, je n'ai pas. Imama, il y a des gens qui ont été. Eh. Ça, c'est Mangena. Autant chaussé n'a rien à bêcher. Oui, mon amour, femme guérée, brada, y'a cosse. C'est ça. Donc, on a fait fan là, oui, il y a des hauts, tout le matin, il y a des hauts, nous, n'est-ce pas? Les 22 millions de dollars. Mon mari, c'est là, il a un tongo, il n'a rien à faire. Alpha a rebelle et guérée, n'a pas de bataille. Il m'a dépensé armes là. Il y a une donne big. Il s'est gassé à Dimri Raborida. Macron a dit qu'il n'y a pas de problème. Il y a une information de l'enfant. Il y a une demande de l'ouvre. Oui, une radio qui va défendre la Guinée. Il y a une salle maintenant. La Guinée est cobre. L'enfant n'a pas de problème. Non, mon doma. Autant gouverneur n'a rien été d'anguille. Banque centrale, on a prêté des passés. Dossier n'a. Mais encore le problème n'a rien. Mon sens là en ce temps. Ma avocat procès Begbena a bri à Cisterne. Dossier bri naï. Non, 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 problème. Parce qu'il n'y a pas de temps. Nana to mora émission à Demuna. À Demuna. Non. Tout le monde, bien que communiquer, c'est normal, mais bêta. Narambe, amoudere. Et pas moi, moufala madere. Benara. Maman dit d'or, en anguille, meuf. Ara même. Amarata antari. Birbe. Sende. Oui, et kumi fan abe. Idi amin. Abe. Ara partenaire, l'antaran. Le modem va. Non. Ah, il t'en fin dit, démocratie, il y a l'enfer dans la Guinée, nous, ni supporter ma ramfara. Parce que, ni colon, tout le monde en a un, et ma mikola y a rien. Mais il fonctionne qui n'a pas de fangement. Il nous sait se préparer pour l'avenir de nos enfants. Ça, il faut le reconnaître. Oui, oui. Non, dossier n'a pas. Fala fe fal nama akuyateli a kabina komorali yala pa 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 akolo kilimu famu ya balebe famu ugbele wofora dunia bari fini frina watide mama dina mwane so muma ainosra kanena nana fana no ayila. IFA, administration pire, et recommandation là-bas, alors qu'il y a un wali là-bas, il y a un maire, un prophète, un naseba, et puis placé. On m'a dit non, on a cela. Tête, il amène pour la forme seulement, très bien. Maintenant, on va m'attendre à Fode Abbas Bangoura Nabe.
wali ala gabra ifo ma partager tasimi jabi igasama Mamadou Keita ibonsoir iyula Allô? Oui. Oui. Il a quand même dit, Abdoulaye Sylla, précise, il y a un peu de à qui tu parles comme ça? La mère, ni pas ma béa. Moi, je vais préciser. Ah non, la question sur ma invité, il m'a précisé, tu vas regarder cette émission en différé. Dans la Falaribé. Précise, ah non, la guerre. Monsieur Bangoura, imama. Imama. Alors, par digo, tanamu. Tanayo muna etango. Muna be, un diari. Très bien. Yakolon, Orbura, nanos la barne. La Guinée, Yama be. Parce que on a tore na été quick. Tant que la Guinée dit Marco, mais la Guinée qu'en a fait. O musika madele yi mangaya mu folori mama di rama ama mura yom mama mais na sinyeri so fan parce que na to bori fan c'est que bori ga économie na yala nga faira ama bori mu forma go on na 70 ans presque na quicki haya won tan na fe lamme na fafe bore bar danga mena Inwali na randa bakri ala ri malvi ala ri ala mam akolo dunye fese na gaya kwa imu ya kima fo kwa ima to kwa oye tadir lina ka fala ala gaya jifang ah gila ndoma gila randoma gila bade iki ya tanda mara bade iki ya tanda mara bade iki nous d'accord on tangoy mais tellement émotionnel la action sans transiter par la réflexion et l'analyse on va mire on mérite tomate à nama apparemment on a nama il a pas dit ça comme kuno vraiment la capacité d'aïra est souvent la rapide de compétence rama on a kuno nama fait naganda on a fait naganda parce que venir en Briti, Walin Dera, Katamanes Dera, couleur arabe de compétence là-bas, est-ce que toi, Massa Fidi, est-ce que nous, Moussa Rabadi, Sarah Mindé, quels sont les freins Moussa Nyeri, Harlipa, et Stiant Colombe, à la mère à sa joue, à la grande rangri, la théorie de Bagdangime, il a besoin d'une mise à jour. Ouais. De ta connaissance. La ville nana. Et quels sont les freins? Ainsi de suite. Dans la manière de dire, on a évolué ainsi de suite. Mais la ville, on n'aura pas mené scientifiquement et avec méthode. Mais on a dit, on a dit, le charlatan. C'est-à-dire, on a dit, 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 il est musulman. Et là, bon, il fait là. Il a géré. D'abord, alors il a fait la primature. Il nous fait la primature. Il a mis le rien, il a bilan de compétences en Dabama. Il a battu, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi? Personne n'a rien là. Bien dit, mais est-ce que Bill n'a ça donné l'homme qu'il faut à la place qu'il faut? Et à ton goût, état, maman, Rio Mounan Rana, il n'est plus là dans un état. Ribim Tidena. Oui. Mais toi, la couleur, de ça, ma bidé. C'est dit ça, à Rani, c'est dit ça, dit. Yati. Maman, pour ta faire bourrer, à Rani, à Rasa, à Rima Batinkan, à Rana. Oui. Maman, quand tu fais arbitre, a gagné avec la formation de la balle, a réglé, maîtrisé, il a sa jour. Oui. On a quoi la Wali, la Guinée, mais le Kilaman a volé à l'international. Oui. On a un grand avocat et un grand.
cabinet de compétences là-bas, ma spécialité fait d'indéré avocat, ou bourse diplôme, ou bien ou formation là-bas, mais continue à le répréhension. Oui. Avec une fois magistrat nana, l'euro, en rang en 1960, à nous, ou bien 1970, ou bien 1975, mais nous rendons en 1975, nous rendons en 1900, 2024 à Kelmara. Féou. Ali, ou ton rena, mécanicien nara. Exemple, ou ton rena, 1975, avec ton autori, à Kelmara. Non. Avant de retourner pour les colons, mais Katarane n'est pas en colon. Et vraiment, il reste à jour. Parce qu'à temps, c'est qu'il y a un amour à jour. Oui. Et à Matinkan, parce qu'il y a un auteur au Yemane, au dialogue. Oui. On a parlé de Bémara, on a parlé de Bémara, on a parlé de Bénara et Bénara. Oui. Dena, je peux être en appui, Dena, c'est peut être en appui. Oui. Dena, avec le mariage de Madame Pina, bon. Mercedes, je veux avoir le numéro de Malik Kamara. Anara, oui, appelle-moi Malik Kamara. Malik Kamara a le numéro mini, Arini, oui. Tant que vous devez pas tout toucher. Oui. Bien, après, maintenant, Mercedes, je veux avoir le numéro de Maître Abbas Bangoura. Mais, mon numéro de Petro Nakui. Oui. Faut qu'il roule, mais non. Et Arini, oui. Tant que m'a composé. Mais il y a que l'on m'a dit. Autour de Dima, il m'a dit à la somme à la et puis il est tourné avec lui. Gaz, mon vieux. Bon, Dima, il m'a joué. Ton frère Nira, mais il m'a joué. Pour qu'il s'ajoute. On a la connaissance pour Moudam Haïpara. Tant qu'il a vivé fait. On a. On a une université. Elle est basse sur les babini. Et comme on a fait son adédi, on est là-bas. Il y a un grand Haïpara et un pédé. Quand nous avons fait une décision de passer, nous avons rencontré. Nana Niema, il n'y a rien à faire. Alors, on a fait un peu de temps. Il faut que nous nous rendions. La spécialité n'a rien pour les femmes de Gamana Pandan. Alors, il n'a pas habité Nana. Nanara, ou Lama, ou Ra, Raina Pongo, ou Ra Pini Sobera. Formation continue. Mais Nana Mouna ou Tangoy. Il n'a pas l'entretien. C'est Narana Kana, il a Sénara Sarapera entretenir. C'est Narana Maragna Tongo Sarada Balagine. On t'a envoyé sur le tarot, on t'a envoyé sur le tarot, et voilà. Il y a des gens qui ont été envoyés sur le tarot. Il m'a dit non, il y a des gens qui ont été recyclés, et il y a des gens qui ont été recyclés. Abdullah, c'est un peu plus de temps. Il m'a dit, alors, tu peux bien, il m'a dit, est-ce que vous t'en parlez indépendance? On t'en fait indépendance qui? Il va vous faire boire une et nous, de Gaulle, dans le indépendance qui est là. On a rapporté la de Gaulle. Au Qatar, il y a un projet de constitution qui? Projet qui? Ou indépendance, ça n'a parce que la tendance va dans ce sens. Il y a un pays qui est là, on a la communauté qui à tout moment. Et l'Assemblée a décidé. Alors, il faut nous faire confiance. Alors, parce que c'est quelque chose qui est inéluctable au Mounoma après l'aider. Et effectivement, il y en a qui l'aident.
le général de Gaulle, Jean-Louis de Brégerie, le secrétaire général, à Falabé, et on a fait ça, à amendement de Barana Sanapri, on a formalisé et rattrapé. À vous, ça a pu nous. Votre nom n'a pas manu. Et tu m'as dit, il s'en va dans le cul, il s'en va dans le cul. C'est pourquoi, et toi, pour le nom, et Ranara Moutin, il a mis d'appui, la guinée à la bagarre, la guinée à la minacu, parce que l'engagement n'a pas. Et lui-même, il était obligé à respecter. Conséquence, on a un peu de ramifié. Mais on a positivé. Pas mal, on ne peut pas y aller. Oui. Mais au moins, on n'a rien à accuser à Colomb. Parce que on s'est nié. Est-ce qu'on avait suffisamment de cadres? Est-ce qu'on avait suffisamment de cadres qui pouvaient tenir? Est-ce qu'il fallait coopérer avec les Blancs qui connaissaient bien la Guinée? Parce que même le premier gouverneur de la Banque centrale de la Guinée, c'était Noël Ballet. Alors, il fallait quand même structurer ça. A où nous n'est-ce nous? On nous a mené nous, rupture brutale, on nous a mené à éviter de nous. Pourquoi? Alors, on est à Kossia. On t'angoye. Je prends un exemple, hein. On m'a indépendance de la story. Rupture non plus. Total. Parce que si Gaïr, si vous venez à l'Erouma, on a repris tout à zéro. Nous n'avons rien voté Wali. Ils les ont passé les mains. Mais c'est fini. Mais on voit. Tabi au nom de l'indépendance. Transition cuite. Il y a un tamou pouvoir. Il y a un pouvoir tout. Ara par rapport à l'anarbon. Il y a un roubé. Mouno, il n'a pas dit. Il n'a pas dit. Dossier n'a pas dit. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit. Ainsi de suite. Je vais m'en dire à ton gonas. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit. Riti Mangayara, accéder, non. Et madame Bayakosia, oui. Ah, c'est quoi qu'on a été? Ah non, Alpha Condé. Mais attendez, est-ce que passation d'abonné dans les conditions normales? Non, il n'y a pas eu de passation. Mais, Al Tibou, faut être retenu. Tellement qu'à côté, regardez, elle nous parlera passation là-bas. Alors, c'est pas un arbre de passation. Ça, c'est un chef de la junte, et puis d'ailleurs, qui n'a même pas géré la Guinée. Il n'a géré que l'armée. Parce que Jean-Marie Doré était là, mais le vrai patron de cette transition, c'était Honoré Traoré, un Burkinabé, qui a été aussi chef d'état-major. Nana Sekdouréa. Abre Nananet. Parlons peu, parlons bien. Il était le représentant de médiateur Blaise Compaoré. Il faut bien dire les accords de Ouaga et comment les pouvoirs étaient repartis. Et qui faisait quoi? Et qui coordonnait tout ça? C'était Blaise Compaoré qui avait envoyé son représentant. La Guinée était sous la coupe de Burkina Faso. Et qui a organisé les élections finalement? C'est un Malien qui a organisé les élections. Et General Sangaré, avec tout le respect que je le dois. Et je crois qu'il a témoigné, il va témoigner un jour ce qui s'est passé là-dedans. Alors, on a fait rupture. Est-ce que la continuité de l'État peut être assurée avec ça? Non. Je dis non. Non. Non, pas. Non, 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 pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on gère un État. Même le PDG. Eh bien, un petit acquis qu'on pouvait préserver. Oui. C'est vrai, quand même, nous avons beaucoup perdu en ressources humaines. L'enseignement a été saboté. Oui. Il y a eu beaucoup de morts. Mais il y avait quand même certains acquis qu'il fallait préserver. Bien sûr, oui. Et continuer. Oui. Mais on t'a dit la rupture en cuit. Quand Thomas ou Manak en cuit. Ça va me donner quoi? Zéro. Ça va me donner encore d'autres ruptures. Ah. Qu'une transition mal gérée va entraîner encore une autre transition, ou bien ça va entraîner quoi? Ça va entraîner finalement le chaos. Oui. C'est ce qui s'est passé en Sierra Leone. Oui. C'est ce qui s'est passé dans beaucoup de pays. Oui. Oumar Matungwa, 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 ça tombe dans les mains inexpertes. Mais qu'est-ce qui va se passer?
Et les conséquences, tout le monde le sait. Parce que dans la gestion d'un État, on n'improvise pas. L'improvisation n'a pas sa place. Un chef d'État doit être préparé. Il n'y a pas une école, mais il y a une procédure pour préparer un chef. Même les officiers supérieurs, c'est des hommes d'État en réserve, mais s'ils sont bien formés, hein. Oui. Mais si tu as raté ta formation, chenar, à moyen de mounana, mais trouve-moi les menus. Oui. Et c'est comme ça. Alors on a le Imo école primaire là-bas. Et ton modèle, tu m'as dit collège. Mais il y a le collège, tu m'as dit à l'université. Mais mon cher, tu n'as pas fait le lycée. Mais il m'a dit, c'est un analyste qui m'a colombé. Non, il m'a colombé. Si vous avez remarqué, même l'évolution des officiers, l'actuel président du Gabon, il a 2 étoiles. Non, écoute-moi. Parce que, il est ce matin qu'étoile, c'est que ça fait retraite nationale. Il l'a dit. Il faut voir comment il a évolué. Il est en train d'évoluer. Il peut se bombarder 5 étoiles aussi. Mais est-ce que mais c'est aberrant? Nahana 2 étoiles Pinacolo. Nahana 3 étoiles Pinacolo. Nahana 4 étoiles Pinacolo. 5 étoiles Nahana Pinacolo. Mais quand l'armée est gérée par quelqu'un qui dit qu'il était en 11e année, c'est lui qui donnait des cours de mathématiques en 12e année. Bon. Alors, franchement, ça, c'est un sourdoué alors. Et tout à fait à son honneur. Mais moi, je pense que tu ne peux pas être en 11e année tant que c'est mourir en 12e année. Hein? C'est pas vrai? C'est pas vrai? Et soit tu es volé, ou bien, et tu as appris, et on t'a appris avant, et tu ne peux pas. Tu peux être en avance. Mais Nabiri, c'est des trucs. Moi, je peux prendre un exemple. Et sur un chef d'État, c'est le cas de Bill Clinton. Bill, il est gaucher. À l'école, ils ont détecté qu'il était vraiment un génie. Et comment? Il peut résoudre des équations mathématiques sans passer par la formule classique. Et trouver le même résultat. Quand ses maîtres ont constaté ça, ils ont compris qu'il était doué. Et ils l'ont encadré. Et finalement, il a fait droit. Et quand il a fait droit, vraiment, il a fait droit. Et je crois que dans son livre, Ma vie, c'est l'un des plus grands livres, il a écrit là-dedans. Il a dit, il avait promis à sa maman, non seulement je vais bien étudier, et il a bien étudié, il a fait Oxford, si je ne m'abuse. Et après, il a dit à sa mère, je vais gérer l'État à un niveau très élevé. Et il dit encore à sa mère, il a été gouverneur, d'abord avocat, gouverneur, ainsi de suite. L'un des maires. Et puis il a été président de la République. Oui. Bon. Maintenant, président des États-Unis, il dit à sa maman encore, il avait promis à sa mère qu'il allait écrire un grand livre. Et je crois qu'il a écrit aussi un grand livre qu'on appelle Ma vie. Mais tout ça, ça a été possible grâce à qui? Grâce à une femme, Hillary Clinton. Parce qu'un jour, il avait vu l'un des amis de Hillary, leur ami commun qui était à la fac. Il a dit, Hillary, voilà notre ami, John. Anna, oui. Anna, et pourtant, Anna, si. Il t'avait épousé, c'est lui qui allait être à ma place aujourd'hui. Mais comme à l'école, il était timide, c'est la femme qui est venue vers lui. Parce que c'était un génie, mais c'est la femme qui est venue vers lui. Et il a été un grand président aux États-Unis. L'un des meilleurs présidents aux États-Unis. Et il avait constaté à un moment, ouais, il avait son oreille, je crois, gauche, il avait un problème avec ça, et il a corrigé. Et c'est pourquoi, sur le plan sanitaire, il avait protégé aussi beaucoup de monde, ainsi de suite, et il a mis le paquet pour essayer de faire développer
avancer certains domaines, surtout en matière de santé et autres là. Et il a écrit un grand livre. Et il a dit aussi, il a eu un choc de sa vie, l'affaire Monica Lewinsky, et c'est grâce à sa femme qu'il a été tiré de ça. Sa femme a dit, un homme comme Bill Clinton, c'est un bel homme, il est élégant, et moi-même, c'est moi qui ai fait un pas vers lui. Alors, je sais que c'est très difficile pour les femmes de le résister. Et au moment où il était dans la tempête, sa femme est venue mettre une ceinture de sécurité autour de lui. Et les meilleurs cabinets ont été ciblés pour assurer sa défense, sinon il allait être destitué par les républicains. Ouais. Voilà comment... Ouais, j'étais là. Dans un pays... On suivait de près. Rien n'est au hasard. Non. Mais, l'homme est bien. Sa femme, excusez-moi, elle est délinquante. Mais l'homme est délinquant, sa femme est bien. Mais quand vous mettez les couples comme ça ailleurs, quand ça va partir où? Ça ira dans tous les sens. Voilà. Alors, c'est pour te dire qu'un président, ça se prépare. Yeah. Et je vais vous donner un exemple aussi. Jacques Chirac, c'était un vrai gaulliste, un des héritiers de Jean de Gaulle. Chirac a été préparé. Il a fait la guerre de l'Algérie. Là-bas, il a connu la santé. Ils ont évolué. Il était lieutenant. Il ne voulait pas se retourner à l'ENA. On a dit non, 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 il faut retourner. Lui voulait être militaire comme Général de Gaulle, aller à Saint-Cyr. On a dit non, il faut aller à l'ENA. Tu avais eu le concours et tu vas te retourner là-bas. C'est à l'ENA qu'il a connu sa femme. C'est des missions des camarades de promotion. Et quand il est parti aux États-Unis, il voulait échapper. Ils ont dit non, 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 il voulait même épouser une américaine, demande à sa femme. Et quand il s'est retourné, ils ont créé le lien avec sa femme. Et finalement, lors d'un dîner ainsi de suite, on a confié la France et le sort. Et l'homme aussi, qui était Chirac, un bel homme. La suite est connue. Il n'y a pas de hasard. Et quand vous prenez les grands hommes d'État, leur choix, parfois, c'est au détriment même de leurs vœux à eux. Parce que un homme d'État, il faut une femme d'État aussi. Okay. Sinon, l'État va devenir un État boiteux. Alors, je dis tout ça, c'est pour vous dire combien de fois il n'y a pas de hasard. En fait, Boigny a été préparé pour être chef en Côte d'Ivoire. Et il a été tellement bien préparé que lui aussi, il a préparé. Et Ouattara, il a préparé. Bédié, il a préparé beaucoup. Regardez comment le PDCI faisait. Le PDCI, c'était le parti des planteurs ivoiriens. Ça veut dire que c'était des bourgeois. Lui-même, il a dit, dans ses interventions, il a dit, comme nous sommes issus de la bourgeoisie, mieux vaut aller avec les communistes. Que les Karl Marx, ainsi de suite, ils étaient issus d'une famille bourgeoise, mais ils ont combattu la bourgeoisie. Il dit, ils ont semblant d'aller. Mais au fait, Boigny, le PDCI a financé plus de 300 étudiants, hommes et femmes, qui sont venus dans le pays en France. Les Français ont refusé de les prendre en charge. Les planteurs ivoiriens les ont pris en charge avec l'argent de la Côte d'Ivoire. À l'époque, l'argent des planteurs, tout était placé partout. Comme chez nous aussi, on pouvait le faire. Mais et ça nous a permis, ça a permis à la Côte d'Ivoire d'avoir les cadres dans tous les domaines. Il y avait les Burkinabés, il y avait. Parce qu'à l'époque, la Côte d'Ivoire et le Burkina, c'était presque la même chose. La haute volta et la basse volta. Yeah. Et c'est comme ça que le PDC a formé les pères de Gon Coulibaly et les Gon Coulibaly, ainsi de suite. C'est une génération d'élite en Côte d'Ivoire. Ouais. Et les gens-là ont été préparés ici, dans les grandes écoles. Et concurrencer même. Et quand vous prenez un pays comme le Maroc, là où nous allons
mettre nos enfants en tête noire. Parce que nous avons dû mettre le cap. Mais la mort à maçon, on envoie les étudiants là-bas qui nous gagneraient à manger. Maintenant, il faudra essayer de débrouiller. Système de débrouillage. Les Marocains et les Tunisiens, chaque année, on prend ou ils prennent au moins 200 lauréats pour les envoyer en France et en Allemagne. Des grands scientifiques, soit des médecins, des pharmaciens, ainsi de suite. Un peu de somme à l'évent. Des fois, l'oublier. Mais rien de nous m'a bien quoi. Bon, il y a encore leur communauté. Alors, comment les autres pays ont fait? Et nous, nous avons détruit la crème. Le PDG a été une machine. À un moment, il fallait détruire l'élite pour faire remplacer ça par des hommes qu'on dit je ne maîtrise personne. Mais l'homme qui se cherche danger dans la rue, il dit je suis manutentionnaire, mais je suis docker, je suis ceci, cela, je n'ai pas de métier. Mais tu penses ces gens-là pour donner le pays à ces gens-là. Mais comment le pays va marcher? Et avec certains instituteurs, certains moniteurs. Et à l'époque, les moniteurs étaient bien formés. Tous ceux qui sont sortis de Milan pour qu'on a rappelé par là. Mais l'aveugle ne peut pas montrer le chemin à un aveugle. Voilà. Et jusqu'à présent, le combat chez nous est contre l'élite. Mon frère. Très grave. Celui qui a pu être sorti dans le lot. Alors, le vieux Mamoudou Haribo, parce qu'il y a Mamoudou Haribo, il y a Haribo Soda, l'autre c'était un intellectuel qui a enseigné même l'âge du Mamou. Mais pour le nez Bill Pongo, le Pengnari Bill Nana, les Sampil, ainsi de suite, on a dit Pongo, le vieux Sampil qui était instituteur, mais pour le nez Bill Pongo, on a dit banalisé. Vous prenez le pays pour donner à des gens qui peuvent dire garbatir d'avion à la vie. Mais comment le pays n'a pas marché? Vous n'êtes pas les chauffeurs de la Guinée. Le chauffeur d'un président, c'est le président des chauffeurs aussi. C'est le même chauffeur. Mais de grâce, un chauffeur ministre de l'Intérieur. Là même de la République, où les secrets d'État peuvent être gérés, là où la sécurité même peut être gérée, celui qui peut gérer. Parce que tous les préfets, tous les gouverneurs, ainsi de suite, et par ricochet, les ministères sont représentés auprès de l'administration centrale, et de l'administration préfectorale et régionale. Mais, quand on faillit, on en a un qui quitte. C'est pas Amoura Maram Rio Terena. On en a un qui quitte. C'est pas un qui. Et ça, c'est comme ça. Tant qu'on continue à mépriser l'élite, et on veut ça, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Mais tant que vous avez dit l'homme faux, place faux, on veut ça, Madayo. Et ce qui s'est passé en Guinée, l'homme faux, place faux. Vous voyez? Je fais l'agronomie et on dit que je suis administrateur civil. Parce qu'à tout fond, on va dire administrateur civil. Voilà ce que nous sommes en train. Les gens ont eu leur décret et leur diplôme par décret. Ou bien satisfait. C'est en Guinée que tu vois les satisfaits sont plus que les diplômes. Mais attendez, arrêtez un peu là. Mais satisfait dans ce comité, il a donc c'est quelque chose qui est. Attendez, vous allez dire le complaisance de PDG, de parti, ainsi de suite. Il y a une rabbre qui satisfait dans tout n'en a plus. C'est quoi ça? Arrêtez ça. Ça ne vous amènera nulle part. Les certificats sont confondus à des diplômes. Très bien. Alors, même quelqu'un fait un stage. Oui, tu t'es perfectionné. Et tu es un acquis de connaissances.
Mais l'université ne forme pas les professionnels. Et que les Guinéens le cherchent. Je suis universitaire. Et puis dans les années 75, attendez, ça n'a aucun sens. Si tu n'es pas parti dans une école, c'est l'école qui t'aide les professionnels. Tu fais droit. Droit privé, mais droit public. Tu as un doctorat, tu as un diplôme, c'est bon. Ou bien, tu as un diplôme, mais c'est bien. Mais tu as des diplômes, c'est bien. Mais pour être un bon avocat, il faut aller dans une école d'avocature ou un centre de formation. Parce que c'est un métier maintenant que tu dois apprendre. Et ce métier aussi a sa déontologie, a ses règles et a ses trucs. Même la gestion d'un cabinet, c'est une matière. Oui. Alors, mais si tu n'as pas fait tout ça, pensez que c'est parce que tu as beaucoup de diplômes de droit et puis tu vas venir maintenant, j'ouvre un cabinet. On a vu des gens, des professeurs qui ont ouvert des cabinets, mais ils sont partis. Et où ? Parce qu'ils m'ont pas. Minimum de stage, il faut le faire. Parce que c'est une profession. Et elle est libérale. Il faut maîtriser un peu. Et que ça se voit. Tu vas être trésorier, tu n'as pas payé une école de trésor. Tu vas être douanier, tu n'as pas payé une école de douane. Tu vas être policier, tu n'as pas fait l'école de police. Ah non, l'école de la gendarmerie. Ainsi de suite. Il y a des degrés. Alors tout ça, c'est ce que nous a manqué. C'est le parti qui réglait tout ça. Thomas Wessi. Thomas, ça doit m'aider. C'est comme si ça, c'est un décret. C'est dommage, c'est pitoyable. Alors, le pays, nous avons eu des sérieux problèmes à un moment dans. Et on a continué à gérer. C'est le parti qui gérait l'État. C'est le parti qui a remplacé l'État. Et ce parti a bouffé tous ses meilleurs cadres. Et maintenant, ceux qui sont restés sur le carreau sont eux qui ont continué à gérer. Mais c'est comme ça. Et quand ils te parlent le français, ils peuvent te parler, tu n'as rien dire, tu ne comprends rien. Mais phraseologie, il n'y a qu'un follow. Mais c'est pas possible. Et le malheur est que, comme l'a dit Ousmane Kaba, c'est les syndicalistes qui ont géré la Guinée. Voilà. Et les syndicalistes, mais avec quelles compétences? Et voilà. C'est eux qui ont géré la Guinée. Très bien. Et le problème, encore, je ne dis pas encore que c'est les syndicalistes, hein, et de maintenant là, qui font vraiment des choses, etc. Mais ils ont cassé aussi le syndicalisme. Les syndicats sont venus sur tous les terrains syndicalistes, ils faisaient la politique. Mais lui, les Blancs ne lui ont pas interdit de faire le syndicalisme et la politique. Quand lui est venu, il dit non, un syndicat ne va pas faire la politique. Quand il est venu à tout. Ah, et finalement, alors, pourquoi il a dit ça? Et pourtant, les Blancs nous ont accordé. Et au temps des Blancs, il y avait le multipartisme intégral. Il y avait le multipartisme, oui. Il y avait plusieurs partis. Mais pourquoi, jusqu'à présent, on n'a pas pu gérer ça? Alors, voilà le problème. L'un des problèmes. Maintenant, si nous prenons la gestion, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Oui. Dernière fois, je crois que j'ai écrit quelque chose et je l'assume. Et en mars 2004, il y avait 8 tonnes d'or fin appartenant à la Banque centrale de la République de Guinée, BCRG, était déposées dans les caveaux de Crédit Suisse, plus Boston à Genève, en Suisse. Wow. C'était 4 ans avant la mort. Le frère général Nathana Conti, que son âme repose en paix. Alors, il faut se poser des questions. Non, Manny. Il faut se poser des questions et chercher à répondre à ces questions. Qui a géré ces 8 tonnes d'or après ou bien avant la mort de Nathana Conti? Point d'interrogation. Non. Et la Banque centrale
dans les conditions normales, relevé selon ses statuts de la présidente de la République. Non. Mais en collaboration avec le ministre de l'économie et des finances. Mais il y a eu des premiers ministres. M. Pall, il a fait que 2 mois. Et lui, pour quelle raison il a été, il a perdu son poste, tout le monde sait, parce que ça s'est concrétisé, il n'a pas démissionné, mais il y avait un problème personnel. Oui. Et ça, c'est le 23 février, le 30 avril. Il a été nommé le 23 février 2004. Il a démissionné le 30 avril hein, de la même année. Ça fait qu'il n'a fait que 2 mois. Voilà. Alors, deuxième, a été nommé en 2004, avril, décembre 2004, on a nommé le Premier ministre, je crois que c'était Sylvie Dalendalo. Et il a fait 2004, décembre 2004 à avril 2006. Lui, il a fait 2 ans. Et sa gestion est connue. Et je crois qu'on peut avoir des informations. Et lui-même, il est là. Il peut en parler. Oui. Parce qu'il aime le débat. Oui. Voilà. Et je sais que sur ce plan, il peut vraiment se défendre. Il peut expliquer aussi. Il y a eu le Premier ministre, le 1er mars 2007, au 20 mai 2008. Ça, c'était Lansana Kouyaté. Et Lansana Kouyaté a été nommé au 1er mars 2007, au 20 mai 2008. Non. Bon, et là, on va faire une pause. Aussi, il a pu faire, il est venu, il a pris la Guinée dans les situations que tout le monde connaît. Et après le limogeage de Sylvie Dalendalo, il y a eu les grèves. Et il y a eu des manifestations qui ont coûté la vie à plusieurs personnes, que leur âme repose en paix. Et suite à tout ça, les événements douloureux, que Lansana Kouyaté a été nommé Premier ministre. Le consensus, je ne sais pas, voilà. Et je ne m'abuse. Je n'ai pas tout devant moi. Et je ne peux dire que ce que j'ai pu quand même, c'est que, voilà. Et si je me trompe, je veux qu'on me corrige. Voilà. Problème, voilà. Qu'on me réponde. Voilà. Yeah. Bon. Lui, il a trouvé aussi des projets. D'abord, revenons sur Sylvie Dalendalo. Il y a eu l'affaire de Air Guinée. Et qui était le ministre de l'économie et des finances? Et c'était Cheikh Camara, notre frère. Il y avait des problèmes de Petrolec, bien sûr. Et la compagnie a été privatisée parce que cette compagnie ne générait pas. Et avec 2 avions, il y avait plus de 600, je crois 1000 et quelques travailleurs. Il y avait des représentations qui étaient endettées, et la représentation de Bamako, de Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Et franchement, on avait des problèmes, et voilà. Par exemple, comme Air Afrique même, Air Afrique avait beaucoup d'avions. Oui. Air Afrique a encore été, la compagnie Air Afrique a encore été était plus puissante, mais elle a été privatisée. La mauvaise gestion. Et ça aussi, en fait, moi, il n'a pas été entendu. Quand il a dit non, il faut mettre un blanc. Il a dit non, nous sommes des Africains, ceci, cela. Parce que vous savez, chez nous, on a tendance à faire croire à tout le monde que l'Africain a atteint une expertise et que, c'est vrai, il y a des experts en Afrique. Mais est-ce que ils sont aussi de bonne moralité? Point d'interrogation dans la gestion. Est-ce qu'ils sont rigoureux dans la gestion? Non. Parce que quand tu es rigoureux dans la gestion en Afrique, on dit que tu es méchant. Non, il n'est pas méchant. Oui. Parce que si tout le monde prend un peu, tout le monde prend un peu, finalement, il n'y aura rien. Non, et c'est ce qui fait que chez nous,
On fait la différence, on ne connaît pas la différence entre un homme rigoureux et un homme gentil. Ou un homme celui qui vole, il vous laisse voler plus que les gentils, ouais. Ainsi de suite. Et ce qui est arrivé en Guinée aussi, avec l'affaire de l'électricité, EDG, après le départ du premier ministre Sidi Touré, voilà, la chute en commun, et qu'ils sont venus là-bas. Voilà. Là, les dossiers sont là-bas, ils le savent. Bon, allons-y. Et il y a eu des dossiers, bon, privatisation, et qui étaient au niveau de cellules de privatisation à l'époque. Parce qu'il faut rappeler que la direction de patrimoine relève du ministère de l'économie et des finances. Dans un gouvernement, les biens de l'État, personne, aucun ministre ne peut engager l'État dans un truc si ce n'est pas le ministre de l'économie et des finances. Pour que ce soit clair. Oui. Et ça aussi, c'est après l'avis du Conseil des ministres et le président, parce que nous sommes dans un régime présidentiel. C'est le président qui est là. Voilà. Alors, la suite, on peut en débattre, mais les gens qui ne connaissent pas le fonctionnement d'un État qui peuvent dire oui, un ministre a vendu, un ministre structurel ne peut pas vendre quelque chose qui appartient à l'État, il ne faut pas lui donner trop de pouvoir. Il ne faut pas vendre. Et même s'il vendait, c'était irrécevable. Parce qu'il faut avoir la qualité, en droit, il faut avoir la qualité. La femme commande le fond. Vous n'avez pas de qualité. Et bien, comment vous pouvez vendre quelque chose dont vous n'avez pas la qualité? Mais ces défauts de qualité, c'est irrécevable. Et la vente va être nulle. Et nul effet. Voilà. Alors, ça, moi, je ne vais même pas m'attarder là-dessus parce que, vous savez, en Guinée, on confond un débat académique et un débat de poubelle. Voilà. Il y a des gens qui parlent comme les gens du quartier. Ils parlent, ils ne savent même pas ce qui se passe au sommet de l'État. Et quand je vois ceux qui disent qu'ils sont allés à l'école, se prêter à ce jeu pareil pour essayer de justifier l'injustifiable, c'est ridicule et ça ramène dans un débat de la maternelle. Or, on quitte la maternelle. Je crois qu'être maternelle à l'université, ou bien dans les grandes écoles, il y a beaucoup de. Il y a quand même. Il y a. Voilà. Je ne veux pas dire ça. Bon. Alors, revenons à la gestion du Premier ministre Kouyaté. Ouais. Hein, Kouyaté. Il est venu trouver l'affaire de Lampadaire. C'était un projet qui était là. On cherchait le financement et puis de suite. L'éclairage public, à l'époque, fallait passer par les énergies renouvelables, ainsi de suite. Bon. Moi, je pense que il y avait d'autres solutions aussi à faire. Et le projet a coûté très cher, c'était beaucoup de millions de dollars. Et sans appel d'offres, il a confié ça à une entreprise qui était gérée à l'époque, une société qui était gérée par notre frère, notre regretté. Et Sako Kaba Diakité, voilà, il était aux États-Unis, il est de Simankoué. Un monsieur très respectable et qui est décédé, très gentil, que son âme repose en paix. Bon, il a été encore le trésorier de PDL, mais il y avait quand même un problème. Parce qu'à l'époque, PDL n'était pas créé, mais après, maintenant, il a rejoint. Bon, mais il n'y a pas eu d'appel d'offres. C'est un contrat gré à gré. Voilà. Et avec tout ce que ça peut générer. Il y a eu aussi Ajnabi qui a eu des contrats. Et c'est Ajnabi d'ailleurs qui a mis le fameux Sili à la case de Bellevue pour symboliser l'arrivée de PDG au pouvoir. Et moi j'ai vu ça à l'époque. Et l'association des victimes de Kambouaro, les enfants victimes de Kambouaro, et avait manifesté. Après, ils ont pris un ballon pour aller mettre sur les pattes de Sili, pour essayer de tromper les Guinéens, pour dire que c'est Sili national. C'était faux. Sa position était claire, c'était vers Tchèque-Touréa. Et c'est ce qui a été fait aujourd'hui, André Touré est là-bas, ainsi de suite. C'est le symbole. Il faut savoir lire les symboles,
Pour me dire, on a parlé, mais on a tout dit, on a posé, mais pourquoi? Faut être visionné. Oui. Et moi, on a vu très tôt que c'est le PDG qu'on veut envoyer. Et là, j'ai Damien Traoré, s'il peut se rappeler. Et c'était l'une des victimes de PDG à l'époque. On traitait tous les commerçants, les hommes d'affaires de trafiquants. Oui. Bon, ils n'ont pas voulu abandonner le commerce. Et malheureusement, j'étais des victimes. Et un jour, il m'a dit, ah, maître, vous envoyez encore Oumar Sidi Rassouta. Ah, il va aller voir. Mais peut-être attends, s'il m'a. Pas fini, s'il n'y a pas, il a oublié. Il a fini, s'il n'y a pas, il a oublié de moi. Voilà. Non, Aznabi, c'était pour Mme Kone et Mme Kouyaté. Ah, la femme de l'ancien Kouyaté. La femme de l'ancien Kouyaté, oui. Ah. Mais à l'époque, on disait que c'était humanitaire, hein. C'était pas l'État n'a mis aucun sou. Mais au fond, on a compris que l'État avait mis des milliards là-bas aussi. Voilà. Faut pas te tromper. Voilà. Mais Aznabi a fait des ronds-points. Voilà. Ils ont mis des choses. On est allé mettre Djilba à Matoto. Et Djili avec. Ça ressemblait à Kanga ou bien quoi, avec Nara Kondi, après l'aéroport, ainsi de suite. Là, Fandé, ça t'a cuit. Voilà. Ma collection a rendu cuit. Voilà. Et là, ça a descendu à Bambeto, là, ça a descendu à Amdallah. Belle vue. Voilà. Bon. Bref. C'était pour décorer un peu la ville et rendre la ville faire des espaces verts, ainsi de suite. L'initiative n'était pas mauvaise, mais le financement et l'acquaintance, voilà, y compris l'intérêt, était là. Il y a eu l'affaire aussi des bus, les fameux bus Tata, et avec un crédit revolving hein, de la Banque mondiale, je crois que c'était dans les 25 ou 50 millions de dollars. Mais il y avait un autre projet avec les Allemands qui voulaient vraiment nous envoyer encore moins cher, les camions Mercedes, tropicalisés, moteurs tropicalisés, vous allez les envoyer sortis d'usine, moins cher et monter même un garage d'entretien. Pourquoi pas un truc de montage. Hein? Voilà. Et de Mercedes en Guinée, mais ils ont laissé ce projet. Ils sont allés prendre. L'argent a été décaissé. Le crédit a été accordé parce que la Banque mondiale voulait nous accompagner. On était un pays sinistré. Et finalement, on nous a envoyé les fameux bus Tata, presque qui était un don, hein, selon. Donc, voilà. Et il paraît que c'est Fadi Wazni, quoi, et qui. Non, pas Fadi Wazni, c'est Ashok Wazni, qui avait, autant pour moi, hein. Ouais, d'accord. Qui avait utilisé ses relations pour qu'on donne ces bus-là, les bus, je crois que c'était des bus recyclés, et c'était des bus réformés, pardon, voilà, c'est le mot qu'il faut, et c'est le mot que je cherchais là, les bus réformés, et ce sont ces fameux bus-là qu'on a envoyés, et la peinture a été effectuée dans les dépôts, disons, du port autonome. Et il n'y avait même pas de pièces de rechange. On a eu ces bus-là dans quelles conditions, ainsi de suite. Il paraît que c'était un don. Maintenant, on a transformé ça à un truc d'achat, ainsi de suite. Et finalement, la suite est connue. Voilà. Il y a eu d'autres dossiers, comme le dossier. Le dossier de coton. Projet coton. Les crédits ont été accordés. Et ces crédits aussi à un niveau très élevé avec les banques primaires, où l'État guinéen a assuré la caution, et avec France Bank et autres. Et finalement, la suite est connue. Ces montants ont été détournés. Et jusqu'à présent, projet coton, même le coton qui a été produit, fameux coton qui a été produit, et ça a été commercialisé, c'est pas revenu en Guinée. Voilà, l'argent n'a pas été, et l'Assemblée nationale a été saisie de ce dossier d'enquête. Et la suite est connue. Et finalement, le procès a eu lieu. Et le procès a été bâclé pour essayer de faire comprendre que c'est l'ancien ministre Mamoudou
Camara, et qui va être jugé, mais on a dédouané l'autre. Or, le projet a été géré par le Premier ministre. C'est ça la vérité. Faut quand même, et voilà, suivre les choses. Voilà les dossiers. Et maintenant, revenons sur notre dossier. Le plus grand dossier, c'est d'affaire de 200 et quelques millions. De dollars. Et oui. Non, pas de dollars d'abord, c'est francs suisses. Et... qui était logé dans la même banque. Maintenant, quand on avait converti ça, ça a donné 200 et quelques millions de dollars. Parce que, à un moment, il faut voir, hein, parfois, francs suisses est plus fort que le dollar, hein, et même par rapport à l'euro. Donc, en Suisse, leur monnaie est très stable. Voilà. Alors, et l'argent là a été transféré complètement à BNP Paribas et c'était la même banque. Voilà, c'était la banque qu'on appelle Crédit Suisse. Voilà. Nous supportons à Genève. Bon, les caveaux, ça, c'est l'or qui était là-bas, 8 tonnes. Mais là, l'autre là, on ne sait pas. Comme on ne fait pas la passation de service, on ne donne pas de cucu. On fait des choses de façon opaque. Et voilà, la gestion n'est pas claire. On ne sait pas quel est le Premier ministre qui a touché les 8 tonnes. Ou bien, quel est, et si c'est le général Sana Conti, quels sont ses collaborateurs qui étaient impliqués dans ça, qui ont fait ça. On ne connaît pas. Et jusqu'à présent, on n'a pas fait l'état de lui. C'est pourquoi le problème de la Guinée, tout est opaque. Et quand tout est opaque, personne ne peut juger personne. Personne ne veut parler de ce qui s'est passé. C'est comme depuis le PDG, chacun tient quelqu'un avec un dossier et ainsi de suite. Faudé. S'il n'a pas de dossier, il viendra sur moi. Et pour là-bas, on a qu'à ira comme le Néba. Mais non, on s'en fiche de tout ça. Faudé. On parle de l'État qui est, voilà, à un niveau très élevé. Les gouverneurs, ils se sont succédés aussi. Ils n'ont pas de dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Après le départ du gouverneur Chirikba, il y a eu des gouverneurs. Il y a d'autres qui sont morts, il y a d'autres qui sont vivants. Il y a d'autres travailleurs de la Banque centrale qui sont recyclés dans les projets ainsi de suite. Là, nos amis, ils sont là-bas. Mais ils doivent parler. Voilà. Alors, voilà le problème. Et cet argent a été géré comment? Opaque. Personne ne sait comment ça a été géré. Et pour un premier temps, on a dit non, on voulait quand même donner le courant, on voulait donner à manger aux Guinéens, on voulait donner des trucs, mais 200 et quelques millions de dollars pour le manger seulement, c'est trop. Pour la facture de l'EDG, c'est trop. Maintenant, comment l'argent là a été géré? Oui. L'ancien accueil, c'est jamais. Et d'abord, il n'a pas fait la passation de service. Il faut se dire d'abord, il n'y a pas eu de passation entre lui et Ahmed Diagne. Soirée. Je ne dis pas que lui aussi, il est blanc. Hein. Voilà. Parce qu'ils ont toujours géré. Hein. Mine, ainsi de suite. Chacun a le droit de parler. Mais après lui, d'abord, il y a eu Fode Bangoura qui a été déchargé des affaires présidentielles. Voilà. Il était presque un premier ministre. Voilà. Avant, je crois que, avant Kouyaté, quand on avait remercié, je crois que c'est Selou ou bien qui. Et quand nous avons remercié Selou, c'est Fodé qui a assumé l'intérim. Après, maintenant, on a nommé un autre premier ministre. Mais après, lui, il n'était plus dans l'affaire. Il n'était même plus à la présidence parce qu'il était vice-secrétaire général à la présidence. Mais au temps de Kouyaté, il n'était plus là-bas. Et au temps de Ahmed Tchèn Soare, il n'était plus là-bas. C'est Otis Kera qui était à la présidence de la République. Il y a un certain Souma aussi. Et Kisuma, voilà, il a un nom Souma, voilà, et Ranaran, Nareda aussi lui fait, et Colonel Sam Souma, voilà, Sam Souma a été le secrétaire général à la présidence, voilà, Gouchimo Naran, pour avoir un peu bien qu'à frapper, qui lui ils étaient là-bas, tous à la présidence, les déchets de cap, ils m'ont aidé, bah, il faut t'en aider. Ah, voilà, il y a un maître à Bassi qui nous a raconté, il ne faut pas mettre Ituli Kouya, compte tes raccords, on avait ceci, cela. Et t'en as un qui rappellera, voilà, parce que t'en as un protocole, t'en as un habile, puis il ne faut pas faire un mélange d'anglais, là. Il y a un bon nombre, on a pris d'anglais, ainsi de suite. Ils sont tous malheureux aujourd'hui. Voilà. Alors,
Mon frère, voilà ce qui s'est passé. Ahmed Kane Soare est venu. Finalement, Nasser Conté a rendu l'âme. Lui, il a été nommé le 20 mai. Et le 14 décembre 2008, il a fait que 6, 7 mois, 4 jours au pouvoir, et comme premier ministre. Son gouvernement, il y avait les Thibault qui étaient là-bas, et c'est Thibault qui était chargé non seulement de Sotelgui, ministre de l'Information et de la Nouvelle Technologie. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne connaît pas jusqu'à présent. On a des doutes, on a des problèmes. Sotelgui, comment ça a été pillé? Ainsi de suite. Voilà. On se croisait dans les avions, partait en Asie avec le directeur de la Sotelgui, qui a bien travaillé à l'époque, un certain Diallo. Mais bon, après, et combien le ministère recevait de Sotelgui par mois, c'était trop. Bon, mais tout ça, on n'en parle pas. Voilà. Et chacun a pris sa part, et c'est pourquoi le pays-là est là aujourd'hui. Et personne n'en parle, c'est pourquoi ils sont impliqués de toute falsification des résultats des élections pour que le président qui va venir va rentrer dans ses grâces et ils vont rester comme ça. Et c'est comme ça que le pays est géré. Voilà. Alors, si vous avez des questions à ce niveau, on peut quand même essayer d'avancer là-bas. Moi, on a un colombé. Oui. Là, ça a été un premier ministre, un des ministres de l'économie et des finances. Qui était là-bas? Écoute-moi, 2 minutes. Oui. Il faut reprendre l'antenne là. Je vais libérer, voilà. Voilà. Ah ouais, Renga, que les Guinéens, comme elle dit, mais le fourri, on va le faire des Abbas. Mais on a un problème dans la fille qui est au Mbourbe. A Mamadi, Ramire Nabe, a tout le matimoura, a tamou la monasse à Eli, vraiment. On a un fala fille, parce que ce c'est la reine à fendre des fala, il fendre des sourcils de na. Hein, alors il râle. On a un lourd nanangou. Moura non dit fala la Guinée que brimbe le retard de ce pays. Il n'y a que 2 personnes qui sont là à mélanger, c'est-à-dire à détruire l'esprit des Guinéens, des jeunes Guinéens, Lansana Kouyaté et Kabine Komora. Vous savez, Rio Mouna, dans la Guinée générale, Mkobri Mouye, mais une rédor, gouverné Kalafem, Alkoué Rafé Nafala, Namir Frinara. Il a fait un recommandement. Alors que tu as fait la fala. La Guinée Kabiringa sa rouni. Mon affalaibé. Rien de bar gestion de la balle la Guinée. A moumouya tir moubar oule falaibé. Mais nafri dans Gabirina. L'ansana kouya te kereni. A kere. Ou a maori. Est-ce que passation de service rabané est à bas? Non. Ou a pour Kamarba. Lampadaire. Comme il en sort, il va falloir que et lampadaire n'a rien dit. Il aura créé un sérémato, il aura multiplié comme il n'a décaissé pour ça. Avec son frère, alors il y a Fama, qui était, je ne sais pas, le représentant de son parti, je ne sais pas. C'est Kabaki Makro. Réseau n'a rien dit. Amaga ou la Guinée réseau brimbe. L'ancien Kouyaté, c'est le plus méchant dans ce pays. Depuis 72, parce que les gens à l'île qui. Et lui, il y a la Traoré, trahir qui n'a rien. Colon. L'ancien, tu seras jugé en Guinée. Et puis, moi, je ma koba kabrimbe. Il y a bascot Yao Singira. Il y a un bascot Dieu na Kanafé. Et là, la même qui dit, faut moi encore. Lampadaire, faut moi colon, faut moi faradé. Oui. Nana, toi, retourne ici, bien tout là. Parce qu'à colon, là. On va aussi se céder, madame. On a 1 million, 2 millions sur l'an. N'a pas de doute à l'aide. Ou un petit poste. Aussi, on ramène à lui, c'est un fanfaron, ou maman dit. Ou qu'elle a sorti sur la serveur, mouton faradé.
Tambe, c'est fini, sa vie est faite. Les bus Tata, il y a eu un montant là-bas. D'abord, les bus Tata là, Asok, bus réformé, n'a rien fait, à l'état FIMA. Il y a maman, Dunia Birima, n'a bus, n'a l'antongo, Afara, n'a pas fait l'ansafé là, il y a eu l'ansafé là, il y a eu l'ansafé. Comme il a débloqué un abissement, un abissement qui est la Guinée servie. Ah, il faut le faire. Projet coton, ça n'a pas été audité. Et si il a audité, il a réaudité, il raconte un dirabat à la Guinée. Il a fouillé dans la minerie là. Et comme il s'est amené. Avec les 8 tonnes d'or qui étaient en Suisse, Nago, les 200 et quelques millions, il a transféré BNP Paris, Nago. Bien sûr, non, est-ce que a expliqué le homme? Non, écoutez, c'est quoi? Vous foutez de qui? Maman dit, c'est lui, votre bailleur de fond, c'est lui l'ennemi de la Guinée. A pire que le fait dans l'étina, a pire, bien sûr, la Guinée, gestion brille là, dans sa recouette, mais waraba, où détruire notre pays? Vous avez fait quoi concrètement dans ce pays qui va nous servir longtemps? Si ce n'est pas pour détruire l'esprit des jeunes malinqués, y compris les autres, contre l'autre, c'est tout. Ah, Wali Biri Nanaki. Wati Gemouna Moube, Fomou Fafé. Ré Lamera est ré pour servir longtemps. Malinqué, Sosé, Foulé. Wassi Zani Krié Tagui. Pour protéger votre sale boulot en Guinée, que vous faites. Non. Ça. Lance la couette la Guinée Canary. Akolo Moui Falane, il a son frère malhonnête ici. Oui. Qui nous parle que lance la couette. Toi-même, tu es malhonnête, Ita. Beba. Alamara. Miguel, il bosse Canary, il t'a mouti mal. Mais rien, lance la couette, mon frère. Ami Abolorbe. Hein? Il t'envoie ici, te laisser ici. Hein? Il nous dit, ouais, mais il faut en amener, mon frère. Calme-moi. Que vous êtes, oui. Mon frère, calmez-vous. Et vous savez, allons-y sur les dossiers et sur les faits. Très bien. Alors, je vous dis que Nathan Akuyaté, c'est vraiment un grand bailleur de fonds. Et c'est lui qui a créé Mouna avec Moustapha Naïté. Et il y a eu aussi, il a laissé le dossier de cinquantenaire. Le dossier de cinquantenaire, il y a beaucoup de chefs d'État qui ont contribué. Il y a eu le chef d'État gambien. Il y a eu le chef d'État de Guinée équatoriale. Il y a eu beaucoup de chefs d'État qui ont fait des enveloppes. À l'époque, là, Sana Conté était malade. Si vous vous rappelez très bien, vous vous souvenez très bien, et Thibaut Camara avait été interpellé par Dadis. Pour dire d'abord, le chèque qu'il a reçu avec Yaya Djamé, il a mis l'argent là où. C'était un chèque de quelques 400 ou bien 600 000 dollars, bien quoi, quelque chose comme ça, que Yaya Djamé avait donné comme contribution pour 50 ans. L'argent là est parti où? Il a dit qu'il a donné à l'ancien raconté, c'était faux. Et je vais vous dire quelque chose. Quand on parle dans ce pays, acceptons de parler dans ce pays. Sinon, il y a quelque part qui a recyclé chose avec Maître Matos qui était à l'agent judiciaire à l'époque. Ils ont lavé Thibault. Ils ont lavé les Baïdi Haribo avec l'affaire, le dossier de la Coupe d'Afrique à Accra. Ça a été vraiment une histoire de gouffre financier pour l'État guinéen. Quelqu'un qui était aux affaires, il sait comment ça s'est passé. Et lui-même, il avait fustigé ça quand même parce que ça a été mal géré. Et c'est ce que Konaté qui a sauvé son ami. Et nous connaissons comment le reste a été fait pour qu'il soit recyclé devant une commission à l'époque pour Bernard Dadis. Nous connaissons tout ça. Mais allons-y seulement. Ça, c'est des dossiers échantillons. À part le dossier de la Banque Centrale, au niveau de la Banque Centrale, ce qui s'est passé à la Banque Centrale, je peux sortir des dossiers aussi. Il y a des dossiers de Bethlehem Compagnie. Il y a beaucoup de dossiers. Mais pas d'âme là. Il y a beaucoup de dossiers. Et dossier de Air France, il y a beaucoup de dossiers.
qu'on a attribué à notre raconté. On a bloqué plus de 7 milliards pour dire que notre raconté a bloqué l'argent pour acheter du riz. C'était faux. L'argent était où? C'était sur la place publique. Et avec les cambis. On va parler. Tu sais, moi, je vais vous dire quelque chose. On va faire don de soi pour sauver ce pays. Oui. Quand tu vois tous ceux qui sont en train de se répliquer, quel maïti, rassoutien, mobilisation, c'est pas gratuite. C'est parce que ils ne veulent pas que leur passé revienne. Voilà. Parce que ils ont des pensées seules pour eux avec la gestion de l'état d'inaste. Oui. C'est ce qu'il faut dire, ce qu'il faut savoir. Alors, tout ça, on va parler d'autre chose d'abord. Ça, c'est les petits dossiers d'abord. On va parler des grands dossiers. Et Manton Akuyate est parrainé, celui qui a parrainé Idi Amin. Parce qu'ils sont liés. À travers Mamou Akuyate, à travers tout ce qui s'est passé avec les Malfin Diané, ils sont trop liés au niveau de la sigle là-bas. Ils savent. Et puis, de passage, on va parler de Diarra. Et que son enfant, parce que son fils, Mohamed, c'est un ami, hein, un grand ami, un ami d'enfance. Et j'en parle avec peine, parce que c'est son père. Oui. Oui, mais c'est un devoir. Diarra, quand il était lieutenant, en 1971, il a assisté à l'exécution. C'était lui le chef de peloton d'exécution au niveau de l'armée, et les pendus de 71 et puis ceux qui ont été exécutés, Diarra a fait le boulot. Et il était avec Moussa Diakité. Leur âme repose en paix. Quand tu dis que le problème de Diarra, il y a beaucoup de malinqués qui sont morts aussi. C'est pas une affaire de malinqués, c'est pas une affaire de truc, c'était une affaire de système. Et voilà. Il y avait un affaire de Malinké. Il y a des Konyankés qui sont tués. Il y a des Kronko. Il y a des Malinkés de Sigri. Il y a des Malinkés de Koussa. Il y a beaucoup qui sont partis. On peut les citer. Ils sont très nombreux. Oui. Mais vous savez, quand il est question de parler de communauté, les gens disent, ah, on va s'entendre. On va laisser ceci, cela, et ainsi de suite. Damaro, il en a fait allusion. Je suis désolé. Même quand tu jouais, il y a beaucoup de... Quand tu jouais, il y a beaucoup de ressortissants de Haute-Guinée qui ont perdu leur vie. Ils ne devraient pas perdre leur vie. Mais j'ai lu le livre de Damaro. On peut revenir encore là-dessus. Et vous allez voir. Et c'est lui qui a écrit, qui a trahi qui. Et comment les gens en voulaient à Diarra. Voilà. Et par rapport à sa participation au coup d'État aussi, et de 3 avril, bon, il y a beaucoup de choses qu'il faut parler de ça. Il a été trahi par les siens, et on a vu que Fangama a été trahi par son propre cousin qui l'a arrêté. Voilà. Et qui a trahi qui? On a vu que parmi eux, selon Damaro, il y avait beaucoup d'agents, et ils étaient tous de la même communauté. Bon, il est allé même, il a parlé de Cheikh Kaba, il a parlé de beaucoup de monde. Il s'est retrouvé encore au projet Coton. Bon, il a parlé de tous les hommes et leurs compagnons avec qui il doutait là. Il a parlé. Et il a parlé comment Diarra a été arrêté. Et quand Conte est venu, et comment Diarra a été arrêté, ainsi de suite. Et Robert Sara. Hein? Et Diarra a envoyé une lettre à Robert Sara pour demander pardon à Alassane Conte. On ne devrait pas l'exécuter. Il ne méritait pas ça. Ah, je ne justifie pas la mort de quelqu'un. Par rapport à un coup d'État, mais c'est quoi? Un coup d'État, mais un coup d'État, c'est un coup d'État. Oui, mais tu es, il y a eu des morts, oui. Et ça, les gens là aussi ne devraient pas perdre leur vie. Pour ça, parce qu'ils ont aussi tué des gens. Parce qu'à la RTG, il y a eu. Mais même tuer tout ce monde-là, il fallait les juger et correctement. Mais il y avait des gens qui avaient peur. En cas de jugement, mais ils avaient peur de quoi? Ils avaient peur de leur tête. On ne veut pas qu'il soit bien. Et j'ai. Quand on va dans la manette, on a signé que ce n'est pas manette. Et ce n'est pas une petite n'a. Et c'est fini par Ritana Zanadé. Non, nous sommes avec le président. Nous sommes des loyalistes, c'est faux. Et Tanara. Tanara.
pas mané rabour et parler que non et rien et quoi il s'est déclaré dans un compte ramalé pour mouiller n'a pas chauffeur et rien n'aimerait tout au minima non rendez la tienne quoi faut dire quand je parle comme ça je m'écoute on va guider à ramadage là en colère avec notre nièce ça raconte n'a pas de rire quand elle a eu foulou on a pas la compte banan tamil mouyama. Ana papa ta mi muya mara ga ga dori baylo inna kan na de pim ine bisao depuis dans les maki monsieur était militaire il me rafa mais non pas cette de muya petit la sourne à chaque contre ramalet muya l'enfant était où anna anna tombe petit de benne vous le benne et ça m'a tourné la nira tu vas la tomber. Et une bonne femme à fou. Je ne suis pas femme à fou. Non, pas la faute des bêtes. Non, la faute des. Toi, un peu quand vous voulez, pas la faute. Tu m'en excuses. Ah, pas la moule. Non, il y a que les mouches sur la barre. Non, mouches sur la barre. Non, il y a que les mouches sur la barre. Parce que d'habitude, il y a des femmes à la moutine. Non, il y a des luna. Ah, on est. Et toi, malade, tout. Maintenant, ça compte à moi, tu es un. Moi, je suis un peu plus parce que je suis un mouffant. Je suis un peu plus pour des bêtes. Je suis 100 et quelques millions. Je suis un peu plus grand. 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 Mais au fond, on peut pas bâtonner. Alors, revenons sur l'Antana Kouyaté. Oui. L'Antana Kouyaté, Malik Sankon a dit qu'il en aura marre avec Alpha pour que l'Antana Kouyaté va pouvoir sur Alpha Ira. Maintenant, lui, il a cherché maintenant à. Il se voyait comme président. Et pour qu'Alpha m'a soutenu son nom, on tissait la guérie, quoi. Mais lui aussi, il préparait l'avènement de son parti au pouvoir. Alpha nous a préparé la partie. Je te dis, il est venu à Conakry, il a donné 200 millions, 200 000 dollars, 200 000 dollars à des femmes. Comme prêt, les femmes, de certaines femmes qui devraient adhérer au PDN, a créé un commerce là-bas. Ça a été fait. Je te dis, hein, l'argent du contribuable. Il n'y a plus de l'argent de l'Iran. Et moi qui vous parle comme ça, je suis venu dans son bureau. Quand j'étais membre du Conseil de l'Ordre, j'étais avec Maître Dina Sambur, et qui encore Maître Assaut. Et voilà, il y avait d'autres là-bas. À l'époque, il y avait la grève. Il nous a demandé à Moussafé, l'idée, vous avez fait Paris, c'était la rentrée solennelle du barreau de Paris. Mais mon cher, il nous a même donné des billets. Non, non, t'as moi, ma bière en moi. Je l'ai dit, je ne veux pas. Parce que c'est MKCIB voyage avec Mamadi. Ra vérifier Rangelina. Je n'ai pas pris le bien. Il nous a donné des ordinateurs, quand même. Des ordinateurs qui étaient dans sa dotation à la primature. Parce que Barreau, il n'y avait pas. Il y a un ordinateur de Fangani. Alco, numéro de Matinkan. Macron dit ordinateur, mais ordinateur performant avec les imprimantes tout. Barreau, mon frère. Ce pays-là, ce n'est pas facile. Là, il l'a fait. Parce que Narad Narad n'a pas la fin. Il a demandé à MK si il voyage de donner des billets. Non, non. Non, 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 non. Mais pourquoi n'a pas la fin? Parce que nous avons. J'ai une amie qui est amie à sa femme. Mais mon ami, il fallait ma bille. Et pour la nanambe, elle a dit, mais quoi est-ce que tu as fait? Elle a dit, moi, ma bille, elle a non, non. Parce que je ne veux pas. Je ne suis pas intéressé, j'ai mon bien. A Gundina, à Frada, non. Handiata, mon riti. Mais ni, à Kay, la Gineka, à Frada, ma Tongo. Non, mais moi, je n'en ai pas besoin. Tu sais, mon frère, ton pays, on ne veut pas quelqu'un qui est honnête. Moi, j'ai compris ça. Si tu veux vivre en Guinée, il faut être malhonnête. Il faut être un prédateur.
Il ne m'a pas dit, il va pas arriver à Saratou, il dit, mais tu es à Bumba. Alors, il reste à la bas manette. Là, ça raconte à ta compte Guinée Tongo. Al-Papa, Al-Para de tête des impôts, en avant d'un rite, on va mourir, mais mourir. Voilà, les gens comme ça, ils peuvent vivre dans un pays comme ça. Là, tu peux parler de dignité à ce niveau.